J'espère que vous allez tous méga bien. Alors aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo pour vous partager une petite recette de slime sans colle qui fonctionne. Et cette fois-ci, eh bien, je vais vous réaliser une petite recette de slime sans colle avec du liquide vaisselle et pas n'importe lequel. C'est celui de chez Lidl de la marque W5. Franchement, il fonctionne méga bien, le petit chat, pour pouvoir réaliser du slime sans colle. Donc c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Et pour ça, eh bien, si vous kiffez ce genre de vidéo, surtout n'hésitez pas à la liker un maximum. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne, eh bien, si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Let's go! Alors eh bien, pour commencer cette recette, je vais donc ajouter un petit peu de liquide vaisselle W5 dans mon contenant. C'est parti! Allez, donc j'en ajoute quand même une belle petite quantité. Ok, encore. Et c'est parfait, je trouve que là, ouais, j'ai une belle petite quantité pour pouvoir réaliser un joli slime. Ensuite, eh bien, pour que cette recette réussisse correctement, je vais y ajouter un petit peu de dentifrice de la marque Colgate. Et il s'agit du triple action. Celui-ci fonctionne méga bien avec le liquide vaisselle W5 de chez Lidl. Donc c'est parti, je vais en ajouter un petit peu. Voilà, comme ceci, c'est parfait. Alors pour que le slime soit un petit peu plus pigmenté, eh bien vous me connaissez, j'ajoute quelques gouttes de colorant alimentaire de couleur bleue. Et bien maintenant, c'est le moment de mélanger et franchement l'odeur est là quoi, ça sent méga méga bon, j'adore. Donc c'est parti pour mélanger le tout. Et bien voilà, donc après avoir touillé un maximum, maintenant, eh bien, on va ajouter un petit peu de sel pour faire former ce slime. Donc c'est parti, j'ajoute un tout petit peu de sel et je mélange le tout. Alors je ne sais pas si vous pouvez constater, mais la matière commence à se solidifier. Franchement, regardez-moi ça. Oh là là, c'est génialissime, j'adore. Regardez, c'est le top quoi. C'est magique, un truc de fou. J'aime trop cette recette-là, c'est vraiment le top. Donc je rajoute encore un petit peu de sel, tout petit peu. C'est parfait. Et je continue de mélanger. Regardez-moi ça. Franchement, c'est génial. On a l'impression que j'ai ajouté de la colle, mais pas du tout, quoi. Il n'y a pas de colle à l'intérieur, mes petits chats. C'est pas du fake, hein. Regardez-moi ça. Alors, je vais encore y ajouter un tout petit peu de sel. Voilà, comme ça, je pense qu'on va être au top du top. Donc je continue encore de mélanger. J'adore. C'est trop satisfaisant, quoi. Regardez. À partir du moment, petit chat, où vous obtenez ceci, regardez, une matière pas trop collante et qui ne colle pas trop aux doigts, eh bien, ça veut dire qu'on est dans le bon. Donc, regardez-moi ça. Là, j'ai une matière vraiment très gluante. J'adore. Donc, c'est parfait. Et donc, à présent, mes petits chats, eh bien, on va transvaser cette petite préparation dans un contenant avec couvercle. Alors, eh bien, je vais transvaser ça tout de suite dans un petit contenant avec couvercle. C'est parti. Je referme ça tout de suite. Et c'est parti mes petits chats.
ficha pour être placé au congélateur pendant 40 minutes. Let's go! Eh bien, me revoilà mes petits chats pour vérifier le résultat de cette petite recette. Donc, j'ai bien laissé mon petit contenant au congélateur pendant 40 minutes et je l'ai également après laissé reposer pendant 2 heures à température ambiante. Et donc, on va vérifier le résultat tout de suite. Donc, c'est parti! Allez, j'ouvre tout ça. Et donc, voilà, voilà mes petits chats à quoi ça ressemble. Franchement, il a l'air topissime. Donc, j'espère que ça a bien pris. Normalement, ça aurait dû prendre. Donc, on va voir. Ah oui! Génial! Regardez-moi ça, j'ai obtenu un slime! Je suis trop, trop contente, mon petit chat. Waouh! Alors, il a encore un peu froid, hein, j'ai l'impression, mais... Mais franchement, il est magnifique. Waouh! Waouh, 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 waouh. Regardez-moi cette beauté. Le slime est juste magnifique. Alors, je sais pas s'il colle ou pas. Franchement, ça va. Il colle pas trop aux doigts. Donc, c'est plutôt pas mal, ça. Regardez-moi ça, il est vraiment super beau. Je suis trop contente. Waouh. C'est une beauté ce slime, franchement. Alors, il est assez gélatineux, hein, mais franchement, il est top, quoi. Regardez-moi ça. Trop, trop satisfaite de ce slime et je suis trop contente qu'il ait réussi. Donc, franchement, topissime. Je suis vraiment trop, trop satisfaite. Waouh. Vraiment top, quoi. Vraiment, vraiment, je suis trop, trop contente, mes petits chats. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous, vous avez déjà testé cette recette à la maison et si vous l'avez réussi. N'hésitez pas à nous faire savoir tout ça en dessous de cette vidéo dans les commentaires. Et puis aussi, si vous avez également d'autres petites recettes de slime sans colle qui fonctionnent à me partager, eh bien, n'hésitez pas à le faire sous cette vidéo dans les commentaires. Et puis aussi, mes petits chats, n'oubliez pas de liker un maximum cette vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas aussi de vous abonner à la chaîne, et bien si ce n'est pas encore fait, et à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Bon, et bien, moi, je vous fais des méga, méga gros bisous. Surtout, prenez soin de vous. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!